Coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog de vacances. Il est 10h20, on est parti à 5h ce matin. J'ai conduit jusque là, j'ai fait 515 km toute seule. Je suis trop fière de moi parce que si vous ne me connaissez pas, je m'endors très vite en voiture. Bref, on vient d'aller déjeuner, ça fait du bien. Et Mathias il est dégoûté, j'ai éteint la radio juste pour vous parler. Donc je sais pas si vous voyez la bagnole comment elle est pleine. Cette valise là c'est pas la nôtre, c'est à mes beaux-parents. Donc voilà, normalement c'est écrit qu'on arriverait à 15h33, mais on va se réarrêter pour manger au moins une fois. Donc je préfère dire pour 17h on est là-bas. Je suis sûre qu'au moins à 17h on est là. Donc on a trop hâte. Il fait combien? 18 degrés. Et là-bas ils en annoncent 30. Pourquoi tu rigoles? Il rigole, il sait même pas pourquoi. Bref, je vous retrouve plus. Pas du tout pris depuis qu'on est arrivé, donc on est arrivé hier. Je vous ai montré un petit peu l'hôtel, enfin juste la piscine pendant que j'étais dedans. Je vous ai même pas montré la chambre, tout ça, mais c'était très bien. Je vous mettrai si vous voulez le lien en barre d'infos, mais moi j'avais pris sur Booking, j'avais pas du tout pris sur le site de l'hôtel, j'avais pris sur Booking. Donc c'était excellent comme d'habitude avec la piscine et sur le toit. Le petit déjeuner de ce matin était top. Ça, je vous l'ai filmé également. Et donc là, on est arrivé au camping, le Cap Fun de la Malisson à la Cadière d'Azur. Et donc, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Mes beaux-parents sont pas encore arrivés. Ils arrivent ce soir en avion. Donc, on ira les chercher tout à l'heure. On a une tête de fou parce que j'ai tout rangé. Vous allez voir comment j'ai rangé ça. Sachant, vous inquiétez pas, je sais, je suis trop organisée. Mais on est là 3 semaines, donc moi, il faut que ce soit bien rangé. Voilà. Donc là, on est déjà en train de boire un café. Donc, je vous montre le mobilo. Donc, ça commence ici avec la terrasse. Vous avez Mathias. Là, on a mis les chaussures, tout ça. Et ensuite, ça se présente comme ceci. Donc, nous, on a pris un top Presta. Donc, c'est... attendez. Dans le top Presta, vous avez la clim de compris et le lave-vaisselle. Donc, nous, c'est hors de question que je fasse la vaisselle pendant les vacances. Donc, ici, vous avez un petit placard où on a mis tout ce qui était bouteille, le seau de ménage, etc. Vous avez une petite table avec banquette et 2 chaises. La petite cuisine qui se présente comme ceci. Là, j'ai mis tout ce qui était torchons, les masques, le barbecue électrique. Donc là, après, ce sont des placards avec tout ce qu'il faut pour faire à manger. On a emmené la Senseo. Il y avait une cafetière comme ça, mais moi, j'aime pas le café comme ça. Donc, ça sera du café toujours Senseo. On a tout ce qu'il faut. Hop! Une télé, le micro-ondes. Donc, ils nous offrent toujours un petit jeu de cartes. Et moi, j'avais emmené le Uno. Le frigo. Juste ici, vous avez la salle de bain. Sachant qu'il y a des salles de bain communes également en bas du camping. Et ce qui peut être pratique des fois. Parce que là, des fois, il n'y a pas forcément de grande place. Mais bon, on verra bien. Peut-être que nous, les filles, on se lavera ici. Juste ici, les cabinets. Là, vous avez une chambre avec 2 lits simples. Donc, faites attention si un jour vous prenez dans ce camping-là, de bien dire que vous voulez 2 lits simples et pas des lits superposés, parce que sinon, vous avez une chambre avec lits superposés. Nous, c'est ce qu'ils nous avaient donné, alors que j'avais bien demandé 2 lits simples. Donc, ils sont venus nous changer tout ça. Donc, il y a déjà une valise à mes beaux-parents qui nous avaient donné, et on leur a fait le lit comme ça.
ils vont être au top ce soir pour se reposer. Donc, vous voyez, le tour comme ceci. Et là, il y a notre chambre à nous. Je vais vous allumer la lumière. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est des oreillers que eux prêtent, mais nous, on avait emmené les nôtres. Là, j'ai mis 2-3 petits babioles, dont nos ceintures. Là, ce côté-là, il y a les vêtements à Mathias. De ce côté-là, il y a mes vêtements, tout ce qui est penderie. Les sous-vêtements, tout ce qui est piscine, etc., j'ai mis ça dans le bac. Les valises, tout ça, sont rangées. Donc, Mathias, ça sera son côté. Et là, c'est le mien. Là, on a mis tout ce qui était serviette de toilette, nos pyjamas. Là, mes produits terminés. Oui, 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 oui. Et là, moi, j'ai rangé tous nos produits de beauté, tout ça ici. Ça, c'est vraiment mon côté. Et là, c'est notre côté à tous les deux. Comme ça, tout est rangé. Et en dessous, j'ai mis un sac à action pour mettre tout notre linge sale dedans. Donc voilà, c'est un mobilhome qui fait à peu près, je crois, 24 mètres carrés ou 27 mètres carrés. C'est largement suffisant. Donc c'est largement suffisant parce qu'on n'est pas tout le temps ici. Donc on n'est pas très très loin de la piscine, ça c'est cool. On est un peu plus loin par contre des douches et des cabinets communs. Mais bon, enfin c'est pas grave, hein. Ça va pas nous tuer. Donc voilà, donc là il est 14h30 passé, on n'a toujours pas mangé. Je pense qu'on va aller manger au McDo ou un truc comme ça. Puis à 17h, on partira sur Marseille pour aller chercher mes beaux-parents à Marignane. Donc voilà. En tout cas, j'espère que les vlogs vous plairont. Je vais essayer de filmer un maximum, mais je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais devant mes beaux-parents, je filme pas trop. Je filme et je parlerai pas, en fait. Donc on verra bien comment on va s'organiser, mais ça va très très bien se passer. Mes beaux-parents, je suis sûre qu'ils savent que j'ai une chaîne, mais je me sens pas du tout à l'aise pour filmer comme ça devant eux. C'est hors de question, je peux pas. Devant Matt, ça me gêne pas, mais... Matt, t'es content d'être en vacances? Tu dis bonjour à tout le monde? Salut. Il vous a dit salut. Non, il vous aime bien, mais lui, il aime pas être sur la caméra. Timide. Voilà, il est timide. Quand là, je le filme pas, il va vous parler, il n'y a pas de problème. Bref, donc nous, on vous dit à plus tard. Ce vlog sortira, je pense, mercredi. Je vais essayer, ouais. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, voilà. On va faire ça. Un vlog tous les 4 jours et une vidéo face cam entre deux, donc voilà. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à...
Bon, je vous retrouve enfin en vlog. On est tous les deux avec Matt. Comme vous avez pu voir, on a été voir le match de foot OM Rennes où l'OM a gagné. J'ai une tête de folle. C'était un très beau match. En plus, ils ont gagné. Et il y a un très gros supporter de l'OM qui est décédé juste avant le match. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu émouvant quand même. Donc, voilà. Je vous ai pas beaucoup pris. Ça va vraiment être un vlog un peu pas grand chose. Mais je vous avais dit, avec mes beaux-parents, c'est plus compliqué et tout. Et puis, en plus, on a profité et d'eux et de ma famille. On a fait visiter à mes beaux-parents pas mal de choses et tout. J'ai essayé de vous filmer quelques petits passages, mais le vlog de la semaine prochaine sera mieux. Et le vlog de la semaine d'après sera encore mieux, puisque on sera que tous les deux, quoi. Je vous ai pas fait de facecam, j'ai pas pu. Parce que déjà de vlogger devant mes beaux-parents, c'est mort. Mais alors de faire une facecam devant eux, c'est encore plus mort. Mais vous inquiétez pas, les vacances se passent très très bien. On a plutôt très 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 bien bronzé. Et la semaine prochaine, plein de choses à faire. Surtout, suivez-moi sur Instagram parce que je vais vous demander sur Insta pour qu'on se rencontre à Marseille, je pense que ce sera. À moins que j'en fasse une aussi à Toulon, franchement. Je sais pas. Peut-être que je vais passer. Mais je sais pas si j'en fais une et à Toulon et à Marseille ou si on fait que Marseille ou que Toulon. On verra bien. En tout cas, je sais que je vais rencontrer certaines d'entre vous, mais toutes seules. Parce qu'on s'est prévu des petits trucs comme ça, parce que ça fait un moment qu'on se parle, etc. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, en tout cas, suivez-moi sur Instagram, parce que je vous poserai pas mal de petites questions là-bas pour si on se rencontre. Et en plus, je vous montre pas mal de petits trucs sur le vif, en fait, en direct, on va dire. Donc voilà. Il y a une lune, elle est trop trop belle. Je sais pas si vous allez la voir, non. Non, vous allez rien voir, parce que je ne sais pas filmer. Bref. En tout cas, je vais clôturer ce vlog là pour maintenant. Je vais vous le mettre en ligne ce soir. Il est 20h, je pense que vous n'allez pas l'avoir avant 22-23h. Ou alors demain matin, j'ai mis un sondage sur Instagram. Je verrai bien ce que vous me dites sur Instagram. Soit vous l'aurez ce soir, soit vous l'aurez demain matin. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très vite dans un prochain vlog, dans une prochaine facecam. J'ai prévu pas mal de facecam, mais je ne les ai toujours pas tournées en fait. C'est compliqué. Et puis voilà. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Bisous tout le monde.